est sur une épreuve un petit peu atypique par rapport à l'habitude. C'est une épreuve très prestigieuse dans le cadre d'un championnat d'Europe. Le but de faire une compétition handicart sur ce meeting, c'est de faire connaître un petit peu cette discipline qui est assez nouvelle, assez récente. On a une grande diversité de handicaps. Ça peut être de l'hémiplégie, amputé. Et on a même aujourd'hui, vous avez 5 pilotes tétraplégiques, c'est un qui est un handicap assez lourd. Le karting apporte beaucoup de sensations, effectivement. Ici, là, ce week-end, là, à Essay, on déboule, on est à 107 km/h à peu près au bout de la ligne droite. On est posé voilà, sur 4 pneus, sans amortisseur, tout rigide. Donc on a vraiment un ressenti d'accélération au freinage qui est très impressionnant. Pour être un bon pilote handicart, il faut d'abord être passionné, parce que c'est un long chemin. C'est une grosse logistique, il faut préparer la machine, ça prend beaucoup de temps. On n'est pas beaucoup de temps sur la piste, on est beaucoup à l'atelier. C'est accessible à tout le monde, c'est un petit peu la base du sport automobile, hein, le karting. Et c'est pour ça que c'est facile. En plus, les karts sont des machines assez simples et c'est facile à adapter au handicap de chacun. J'ai l'accélérateur et le frein sur le même combiné. Donc en fait, on appelle ça combiné pousser, baisser. Je pousse, je freine, et je baisse, j'accélère. Là, on est censé être plus réactif entre le moment entre la phase freinage et la phase accélération. Accélérateur, frein spécifique, harnais, la fourche, la direction et également, j'ai oublié, quelques sangles qui me tiennent les jambes. En niveau compétition handicap, alors ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on a désormais une licence nationale handicap. Donc qui nous permet de faire des courses entre personnes en situation de handicap, mais qui nous permet également de faire des courses avec les personnes valides. Donc on peut faire toutes les courses du karting possibles. Pour moi, le Graal, c'est d'aller participer avec les valides. Et là, on peut le faire sans distinction de classement. Quand on est dans le kart, on est un pilote, point. On n'est pas un pilote handicapé. Vous avez regardé Champion d'exception avec la mutuelle Intégrance. Ensemble, vivons l'esprit de solidarité. Votre programme avec Société Générale.